Et tu nous joues quelque chose? Salam, je m'appelle Khalid. Je m'appelle Najwa. Je m'appelle Redouane. Je m'appelle Salma. Je m'appelle Nassim Sabi. Bonjour, je m'appelle Hicham. C'est quand on peut faire? Ah bah, je sais. Alors, avance jusqu'à que ça se voit pas. Je dis ça se voit ou pas là? Attendez, non. Attendez. Non. Là, ça se voit pas. Non, là, juste, tu restes là. Si tu restes là, c'est bon. Ah, mais faut pas que tu baisses, faut pas qu'il baisse les yeux, après ça fait. Bah, tu retournes. Ça tourne. Chers Marocains, nous allons vous présenter notre film qui parle de sport. Vous allez voir du foot et du basket. Nous sommes un groupe de jeunes de l'association Mosaïque Bretagne-Maroc. L'association se trouve dans le quartier Villejean à Rennes. Bonjour, je m'appelle Bélé. Bonjour, je m'appelle Sofiane. Bonjour, je m'appelle Ilyas. Salam, je m'appelle Khalid. Nous allons vous présenter comment se passe nos journées et nos week-ends. Au début, nous partons jouer dans un parc qui s'appelle le Berry. Et on peut jouer au foot, on joue là-bas tous les jours. Et au Berry, en fait, c'est un complexe sportif et on habite tous au même quartier, c'est Villejean, à Rennes. Et on est tous inscrits à l'association La Mosaïque. À Villejean, il y a beaucoup de commerce, il y a des magasins, il y a des bureaux tabac, il y a des magasins de chaussures, il y a plein de choses. Et au parc du Berry, il y a deux terrains. Il y a un terrain synthétique et un terrain en herbe. Et il y a aussi des aires de jeu pour les enfants. Et voilà. Nous admirons le foot et notre équipe préférée est le Real Madrid. Vous avez gagné ou vous avez perdu? Non, vous avez gagné un match ou vous avez perdu un match? Il est où le problème? Non, c'est quoi? Il est où le problème? Est-ce qu'il y a un problème? C'est quoi le problème? Je t'écoute. Non, c'est quoi le problème? Justifie-toi, c'est quoi le problème? Les défenseurs, ils sont là. Voilà, aux Indes, vous n'étiez pas organisé. C'est tout simplement ça. Vous n'étiez pas. Tais-toi. Vous n'étiez pas organisé, c'est tout. Et aux Indes, il l'a confirmé. A chaque fois, j'étais obligé de vous appeler, recule, défendez derrière. Mais c'est pas grave, on a encore un match. Il faut se manifester, il faut gagner. Comme ça, on va finir le premier pour avoir deuxième. Il y a des rondes et nous habitons aussi entre des montagnes. Pour aller où nous habitons, on doit passer les montagnes et. Qui s'appelle Tichka. Qui s'appelle Tichka et c'est haut. Là où on habite, il y a une grande forêt qui s'appelle Eglène. Et là-bas, il y a
Il y a des chiens sauvages, des champs, en fait, c'est des champs. Et si vous avez faim, vous allez là-bas et vous mangez des figues, tout ce que vous voulez, quoi. Il y a beaucoup de fruits. Les habitants, c'est beaucoup désert et beaucoup de sable. Les paysages sont oranges à cause de ça. Il fait très chaud là-bas. Une fois, quand je suis allée, j'arrivais pas à respirer quand je suis sortie de ma voiture. Après, je suis tout de suite partie dans la station la plus proche parce qu'il faisait vraiment très chaud là-bas. En fait, ici, on habite en Bretagne et l'habitude, c'est qu'il y a beaucoup de pluie. Et où nous habitons, il y a toujours du soleil. Et après manger, le midi, nous allons tous faire une sieste. On mange. Là-bas, on sourit tout le temps, alors des fois ici on voit des gens qui sont tristes. Et nous, là-bas, dès qu'on voit quelqu'un, on dit bonjour et tout. Je sais pas. Alors qu'ici, des fois, on est. Là-bas, on se connaît tous en fait. Aussi, l'école là-bas, c'est pas pareil. Parce que là-bas, il n'y a pas de collège. Là-bas, il faut partir loin pour trouver un collège. Par rapport à ici, tu vas juste à côté de chez toi, tu trouves un collège. Et j'ai envie de dire un truc. Là-bas, à Marrakech. Ils conduisent mal. Il y a même pas de ligne, des fois, elles sont tellement effacées. En fait, ils roulent tous en contresens. Ils font comme ça, ils font tricher. Le taxi là-bas, par exemple, si un taxi de 5 places, bah, tu rentres à 8. On va bientôt vous donner une fille. Au revoir. Ça m'attend bien un petit peu. Au revoir. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и отпасть в поезд. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите.
Thank you.